coming down. See the shadows of my love where all the monsters came. Salut à tous, c'est Seven, c'est Cabal, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed. Donc, je sais très bien que dans les vidéos ça va pas se voir, mais ça fait super super longtemps que j'y ai pas joué. J'y ai rejoué que depuis hier pour faire quelques petits trucs dans la map. Et me revoilà là. Donc là, c'est une vidéo un peu spéciale, enfin, pas elle, enfin, on va dire spéciale parce qu'elle elle change de l'ordinaire, quoi. Donc on va essayer d'aller tuer un navire légendaire et de le capturer, quoi. Grossièrement. Donc j'ai un peu amélioré mon bateau, ce que je voulais c'était surtout le réparer avant d'y aller, parce que c'est autant mettre toutes les chances de notre côté, quoi. Vous n'avez rien à réparer apparemment, donc c'est cool. Et ce que je voulais faire, c'est retirer ma machine, ma comment dire, voilà ça. Très bien. Te voilà. Merci. Officiellement blanc comme neige. Donc mon bateau, je l'ai amélioré un peu. Il me reste deux améliorations à faire pour l'avoir à fond. Donc autant dire qu'on est bien barré. Enfin, j'espère. Car si je ne le suis pas là, je pense pas que je serai un jour. Donc on va bien voir. Et voilà ce que ça donne un peu grossièrement. Donc j'ai un peu tout en or. Enfin, je pense que vous le verrez dans l'épisode avant. Car à mon avis, je vais mettre ceci avant. Après avoir terminé l'histoire, et comme je l'ai pas encore terminé, on verra bien, quoi. Donc je me place bien, la chaise bien contre la télé, et on va faire un peu les grugeurs. Donc est-ce que je commence par celui du bas? Bon allez, on va commencer par celui-ci, celui du bas. Hop, sauvegarde. Puis on va essayer d'avoir, quoi. Comme ça, je vais essayer d'avoir un peu de sous pour améliorer mon bateau. Parce qu'ils disent gain d'argent élevé. J'ai bien envie de voir si c'est réel ce qu'ils disent ou si c'est juste pour. C'est juste de la publicité mensongère. Donc, c'est la première vidéo que je fais depuis que je suis dans mon appart, entre guillemets. Et c'est pour ça que je suis plus à l'aise à l'oral, que je me permets plein de trucs, enfin bref, voilà. Donc c'est le début d'une nouvelle vie, et puis voilà quoi. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer vite fait sur la carte. Je me suis amusé à faire tout en or, à récupérer toutes les bouteilles, tous les coffres, tous les fragments. Je sais, je suis un ouf. Et me voilà en train d'essayer de faire les quelques missions qui me restent, c'est-à-dire les bateaux. Je pense que vous verrez l'effort. Je pense qu'une fois, enfin, je le dis là, mais vous allez le voir dans le futur. Donc, à mon avis, d'ici cette vidéo-là, j'aurai déjà mis quasiment toutes les vidéos sur l'effort, toutes les vidéos sur les personnages du multijoueur, etc. Donc, voilà, quoi. Ça sera déjà bien complet. On dirait un vaisseau fantôme. Oui, revenu d'entre les morts pour nous couler. Donc on va essayer de le buter. Ce qui ne sera pas une mince affaire. Et let's go. J'ai gardé exprès de la place pour garder les. Hop, on va essayer d'esquiver un peu tout ça. On va pas s'arrêter de le canarder. Si je le lâche, je pense que je vais me faire avoir. Et je sais pas où est sa vie. Donc je ne sais pas du tout où est sa vie. Ah oui, d'accord, j'ai mis du temps à trouver sa vie, mais ça y est, j'ai trouvé. Faut que je continue à bouger, sinon je vais me faire def. Voilà. Donc on va aller l'attaquer. Ils disent, il coule, il reste que des planches, mais vu l'état de mon bateau, je pense que je suis pas mal non plus. Donc en fait, on peut pas les capturer apparemment, on peut juste récupérer ce qu'ils avaient sur eux.
Et il y avait quoi sur eux? 20 000 rails, ok. Ce qui est correct, ce qui est très raisonnable, je dirais même. Nouveau code de tri, j'ai bloqué, voilà, quand on a beaucoup de défis Abstergo, on gagne des codes de tri, je ne sais pas si, je me rappelle plus du tout si j'en ai parlé dans d'autres vidéos. J'en profite pour le redire ici. Donc vous savez quoi, vu comment ça a été rapide, je pense que on va essayer d'aller faire plusieurs, oui voilà, 5 minutes pour un bateau, je pense que c'est raisonnable, je crois. On peut faire les autres. Je vais juste aller réparer mon bateau, vu qu'il a pris assez cher dans son cul. When you know. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si les autres vont me donner autant ou moins. J'aurais aimé qu'ils me donnent un peu des... du métal, parce que c'est vraiment ce qui me manque. Il m'en faut encore grossièrement 700 pour améliorer le bateau à fond. J'ai même amélioré les ponts à fond, tout à fond. Il me reste juste la bordée, donc c'est les canons que vous voyez sur le côté, à améliorer. Et le dernier, il me semble que c'est les mortiers. Ouais, il me semble que c'est les mortiers améliorés aussi. Donc du coup, hop, on va faire la même. Parce que j'ai déjà assez navigué comme ça dans le jeu. Donc comme vous voyez, en fait, le prochain épisode que je ferai, ça sera ici. Donc ça sera la mission La mort dans mon siège. Voilà. Let's go. Donc là, ma copine est partie travailler. Je pense que quand elle rentrera, elle va faire du bruit. Donc si jamais vous entendez une fille... crier ou je ne sais quoi, ben voilà, ne vous étonnez pas, c'est normal. Donc on refait la même, on se dirige vers le navire, voilà voilà. Je regarde aussi si dans le coin il n'y a pas des gens avec beaucoup de métal. En général, le métal, c'est la ressource que peu de personnes ont. Voilà, il y a deux big bateaux, mais sur les... En plus, ils sont en train de se fighter. c'est bizarre, parce qu'en plus... Ah non, si, c'est un anglais et un espagnol. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah oui, le métal, lui, c'est vraiment... c'est vraiment rare, et regardez, même quand il y a des gros bateaux comme ça, il n'y en a pas forcément dessus. Je crois que le max que j'ai trouvé, c'est 150 sur un bateau, ce qui est relativement peu. Allez, on va aller éclater. Je pense que je vais lui mettre un petit coup d'éperon à celui-ci. Oh la vache, ils les ont pas fait pareil, ça c'est remarqué. Et vraiment, ils sont peut-être totalement différents. Mais regardez, j'ai même pas eu le temps d'attaquer, qu'il est déjà en train de m'envoyer des trucs sur la gueule. La gruge. Je vais t'éprôner la Dama Negra. Et la 20 000 aussi. D'accord, voilà. Pour vous dire un peu la maths, il me suis fait mal en lui... en voulant l'attaquer. Là, je vois plus rien, c'est génial. Je vais prendre cher, c'est génial aussi. Il est plus costaud, j'ai l'impression, celui-ci. Je ne sais pas du tout quand que ça se fait, mais il paraît 3 millions de fois plus costaud. Et je retire rien. Ah ça y est, je commence à le faire mal. Donc faut qu'on avance un peu, on va se prendre un truc dans la gueule.
Oui, je pense que c'est mort. Oui. Je pense qu'on ne l'aura pas. Celui-ci. Ouais, voilà. Je suis mort. Donc, est-ce que je vais revenir directement dessus? Je pense que oui. Ouais. Voilà. Hop. Allez, on y retourne. On retente. Sauf que cette fois-ci, je vais pas faire le boléro à lui foncer dessus comme un mongol. Je pense que c'était une très mauvaise idée. Voilà, en plus il est full métal, le bestiau. C'est pas un mec qu'il faut faire chier, tu vois. Moi aussi, je sais. Oh putain. Arrête-toi direct. Aïe aïe aïe. Oh, 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 oui. On subit des dégâts. Non là, c'est pas des dégâts qu'on a subi. Il nous a totalement niqué. Je pense que son point faible, s'il en a un, si ça fonctionne comme ça. Oh là 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 là, comment il nique. C'est de l'attaquer par le côté. Pas par le derrière, je veux dire. Oh mon dieu, cachez-vous! Voilà, je retire que dalle. Voilà, absolument que dalle. Alors, ce qu'il faut faire, lui, c'est de le choper par le cul. Vous savez, c'est une drôle d'expression. Et c'est le seul endroit où ça lui fait quelque chose. Donc, il risque d'être un peu plus compliqué à avoir que l'autre. Donc, en fait, il faudrait que j'arrive à lui foncer dans le cul, ça lui ferait mal, je pense. Là, je vais prendre le bouillon. Ça va encore. Allez, vas-y, tourne. Allez, tourne plus vite. Mort, je vais prendre bouillon. Voilà. Allez, 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 on avance. Oh là. Oh voilà, je suis mort. Je vais en plein dessus, je peux pas me stopper. Oh là là, j'ai eu de la chance. Je vais essayer de lui foncer dans les fesses. On est paré, capitaine. Navire relâché, Kelway. Aiguisez la toile. Il est explosé. Faut pas laisser passer l'occasion. Oui, voilà. C'est dommage parce que j'ai failli l'avoir, mais là je suis plus que mort. Voilà, ça lui fait que dalle. Je ne lui fais absolument pas peur, il va me foncer dans le cul. Et je suis mort. Donc, j'ai compris son point faible. Son point faible, c'est ses fesses. À mon avis, c'est là où il est le moins protégé, ou je sais pas du tout comment ça fonctionne. Bon. Je ne m'avoue pas pour autant vaincu.
plus 20. Ce qu'il faut, c'est absolument que je me rapproche de lui. Et que je joue le système monte-moi tes fesses, que je les défonce, et puis voilà. Ouais. Bon, là le début c'est pas facile, il faut vraiment faire des zigzags avec le bateau. Faut vraiment que j'esquive le plus de ces boulets. Voilà. Là, j'ai réussi à négocier un peu plus. Il faut surtout que j'évite ces bordées parce que. Donc là, faut que je bouge, sinon je vais prendre bouillon. Faut que je l'esquive, sinon je vais prendre bouillon. Allez, on avance un peu. Allez, 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 allez. Allez, du nerf, là. Oh là, cachez-vous. Je vais faire sombrer le navire, j'aimerais bien t'y voir, ma place. On stoppe tout. Et puis la fumée, c'est chiant, c'est que voilà, on voit plus rien. Est-ce qu'avec ça je peux viser son cul? Est-ce que ça me fait des dégâts? Donc là, il faut avancer. Voilà. Et que je continue à viser son cul. Il veut le. Comme ils sont un aigle, oh là, oh là, j'ai même pas vu qu'il avait tiré du mortier. Hop, on s'arrête. Bon là faut qu'on avance parce que je crois que les prochains mortiers sont dans ma gueule. Et on s'en sort plutôt pas trop mal pour une fois. Je vais prendre bouillon. Non c'est bon. À mon tour de viser les fesses. Bon j'ai un peu fail. Je pense pas que je l'aurais. Allez, on continue comme ça. Je suis pas trop mal. Oh 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 oh. Bon, ça va, si je prends qu'un dégât comme ça, je peux me le permettre. Hop, on continue. C'est dommage, j'aurais bien aimé en choper un pour mettre dans ma flotte un ou deux. Bon, on va prendre très 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 cher. Mais ce n'est que partie remise. Allez, ralenti. Allez, on continue de tourner. C'est fail. C'est très fail. C'est ralenti parce que tu vas te prendre des mortiers dans la gueule. Maintenant tu peux avancer si tu veux.
Allez, on continue comme ça. L'autre, il a duré 2 secondes, quoi. Mais lui... Allez, une dernière pour la route, motherfucker. Voilà. Je viens chercher des sous. Merci beaucoup. Goodbye. Hop. Impeccable. Ça fait 20 minutes, ouais. Voilà. Disons qu'il a duré 15 minutes au lieu de... Au lieu des petites qu'il y avait pour l'autre. On va continuer. Continuons. Parcourir le sud de l'univers pour découvrir de plus grands navires et de plus grandes récompenses. Je vais faire vite fait. Comme ça, il sera content et il arrêtera de m'envoyer tout le temps la fabrique. Le yes, thanks you. Goodbye. Il me faudrait. Bonjour. Necesita ayuda, caballero? J'ai rien compris. Je veux juste réparer mon navire. Ça, ouais, c'est pas trop cher. Hein. Franchement, 327, c'est correct. Hein. C'est limite s'il me le ferait gratuitement encore. Voilà. Hop. Et now, now. Alors il reste celui-ci. Bon, on va aller celui-ci. C'est le premier qui me suit. Qui m'est arrivé sous le visage. Sous le soleil, pardon. Voilà. Go, 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 go. Go, go. Donnez-moi de la vitesse! Oh voilà, donc en fait mon bateau il est pas trop mal. Je ne vais pas m'en plaindre. Alors, maintenant ce qui va être embêtant c'est qu'il va falloir trouver son point faible à celui-ci. Même si vu qu'il est pas dans le sud, je pense qu'il sera plus simple que les deux autres. Mais je préfère pas m'avancer parce que si j'arrive et je me fais défoncer en 2 secondes, je vais pleurer. Ah voilà mon bateau, je lui ai mis des voiles noires pour présenter le truc bien, voyez-vous. En éperon aussi. Voilà quoi, je lui ai mis des lignées d'or parce que moi j'aime bien l'or, ça brille. Voilà quoi. Bon, 1200 mètres, ce qui fait 1,2 km. Merci, merci, merci. Bon, vous savez, j'essaie de meubler comme je peux. Oh la vache, what that? Fuck. C'est quoi ce bateau? C'est quoi ces bateaux déjà? Parce qu'il y a l'air d'en avoir deux. 10 000 en plus. Ils sont pas sérieux, c'est quoi ces mecs? T'as deux bateaux et ils sont 10 000 quoi. Ah non, il y en a 10 000 chacun, je pense. Alors t'as le noir et le blanc. Ça doit être des bateaux légendaires. Enfin, comment. Enfin, peut-être en vrai ça doit être pareil, mais. Oui, oh, ils vont me faire des tirs de mortier. Ça ne m'étonnerait pas. Ils vont essayer de m'encercler, sinon, enfin, je le sens. Gros comme ma bille. Ma maison, pardon. Oh la vache. Toi mon pote, tu vas prendre bouillon, cash, je te le dis. Je te le dis. Voilà, c'est dit. Merde. Voilà. Oh là là. Oh, j'ai fait double merde quoi. Double fail. Oh, ils sont tapés entre eux ces cons là. Allez-y, tapez-vous encore. Reste pareil.
Allez, vas-y, tirez, mon enfant coach. Je me demande s'ils peuvent se détruire quand même parce que... Allez, faut qu'on tourne là. Merde. Oui. T'as fait quoi toi? T'as touché mon navire. Je vous préviens, le blanc c'est le premier qui meurt. Voilà, j'annonce. Alors les tirs qui vont qui passent dans l'eau limite quoi. Abstenez-vous la prochaine fois. On a été touché. Cacatoi. T'as kiffé toi. Ah oui t'as kiffé. Nous non plus on les a pas arrêtés. T'as voulu faire le mal, hein? Bon, tant pis, ça sera noir en premier. Enfin, s'il a décidé de mourir. Non, c'est bon, toi, tu t'abstiens, direct. Aïe! Je vais pas... Non! Non! What the fuck? Pardon, pour ce vieux what the fuck de merde. Non! C'est pas permis, ça fait 3 heures que je suis dessus, là! Ça fait 10 minutes que je suis en train de les taper! Tant de haine, pourquoi? Pourquoi? Non mais c'est des PD eux, hein, parce que voilà, vous avez vu leur stratégie, ils arrivent, tac, ils t'encerclent et... Ils te niquent quoi. C'est pas permis, c'est pas permis. Direct le noir, toi, je te contourne et je vais te niquer direct. C'est bon, je me fais plus avoir. Cherchez votre... Non, j'ai dit non. Non, tu vas prendre mon éponge, je m'en bats les couilles. Voilà, je t'ai prévenu. Tu prends mon éperon et tu fermes ta gueule. Voilà. J'espère que t'as kiffé. Maintenant, tu prends ça dans ta face. Ça. Voilà, ça te fait kiffer, hein, le fearless. Faut être sans peur, je vais te niquer. Le taux de gros mots dans cette vidéo est au-dessus du niveau autorisé. Non mais sérieux, en plus ils se barrent à 15 km pour faire demi-tour quoi. Ils ont eu leur permis bateau dans un paquet de bonus ou quoi. Expression vieux comme le monde. Oui d'accord. Ça c'était bien utile. Je vais prendre cher, mais toi t'es mort. Pourquoi j'ai tourné? Pourquoi j'ai tourné? Quelle merde j'ai fait là? Allez, descends un peu la vie. Ils tirent sur nous!
crever, on va foirer. Toi t'es mort, adieu. Hop. Bon. Le blanc maintenant. Adieu j'ai dit. Allez, enfuis-toi. Le Royal Sovereign. Alors toi sache déjà que tu vas prendre mon éperon en pleine face. Sache-le. Oh merde, c'est moi qui vais prendre le tien. Et du coup, tu vas prendre cher dans mon cul. Oh putain de merde. On va nous rompre cette tente, capitaine. On y est presque. L'ennemi subit des dégâts. Par l'enfer, c'est à côté. Je peux pas... Je peux pas réparer mon bateau là, tranquille, on se pose, on fait une trêve quoi. Je lui remets juste un peu de vie. Tu veux pas? Bon, faut que t'ailles vers lui parce que là on va pas s'en sortir. Ça va être juste, hein, franchement. Il lui reste encore pas mal de vie. En plus, il se barre quoi, mais ça le pédale. Ah, il revient. Bon, il arrive. Non! Non! Mais non! What the fuck, man? What the fuck is gentleman? C'est pas permis, c'est pas permis. Bon, ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que je fonce. Je refonce dans la face, tu vois. Attends, je suis à 18 949. Je veux dire, j'ai gardé les 10 000, non? Je sais plus comment j'étais tout à l'heure. What the fuck, j'entends bien. Oh, ça y est, je l'ai dans la tête, ça, ça va me poursuivre toute. Toute ma fin de ma soirée et puis... Prends-toi ça dans la face. Voilà comment se faire bien défoncer le cul. Et en plus je leur ai rien retiré quoi. Holo, aïe. Oh, j'espère que t'as kiffé ta race. En tout cas, moi, oui. Oh là là, comment j'étais bien laisse là. Oh bah t'arrêtes pas, mon pote. Hein. Ah là, je te suis jusqu'à l'infini là. Voilà. Il reste que des planches. Ça c'est fait. Bon, toi maintenant. C'est moi qui ai un éperon ma gueule. Bah toi. Oh là, ça craint ça. Oh, ben Dieu. Oh non. Mais non. Ce jeu me fait rager. Ce jeu me fait rager. Ce jeu me fait fucking rager.
Ok. Le mec, je fais tout le taf et tout. Franchement, il était mort, quoi. Mais obligatoirement, enfin, je veux dire. À un moment donné, il faut se raisonner, quoi. Et non. Non. On recommence, c'est obligatoire. C'est obligatoire. En plus, maintenant que je vais avoir une bonne connexion, les vidéos 60 minutes, elles passent, quoi. Donc voilà, vous êtes obligés. Non, je pense que je. Ouais, je verrai bien. Peut-être que je ferai une transition, peut-être pas. Là. Hey, tu lui fonces dans la face. Dans la face. Hey, dans la face. Dans la face, mon gars, tu te barres pas. Tu me tournes pas le dos, mon gars. Ah, mais même pas en rêve. Non, là, vous êtes mort. J'annonce. Là, c'est la dernière annonce, les gars. Vous êtes mort. Voilà, tapez-vous entre vous si vous voulez. Je m'en bats les couilles. Mais vous êtes vous allez crever. Il y a une prophétie qui dit que... Voilà, toi, hop. Voilà. Une dernière pour la route. Il a pas assez tourné, je pensais qu'il allait tourner et tout. Mais... Négatif. Je l'aurais pas là-bas. Là si, je l'ai usé un peu. Un petit peu. Il s'est dit bon, ok, je vais prendre une de tes boulettes. Pour le plaisir. Ils vont encore échanger de côté. Là je vais foncer dans le blanc parce que voilà, blanc c'est celui qui a le plus de vie. C'est celui qui me casse les couilles le plus aussi. Putain, j'ai le mortier qui est trop loin, c'est-à-dire en mode... On se met hyper loin, on est posé. Prends-toi ça dans ta gueule. Tac. Toi là mon pote, vu la vie qui me reste, t'es mort, j'ai pété. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Holo. Faut pas être énervé comme ça mon pote. Je dis que tu crèves, point. On en parle plus. Voilà, c'est qui le patron? Bon j'avoue, je suis mort 15 fois avant, mais. Mais t'es mort maintenant. Là est le résultat, tu vois. D'accord. Hop. Oh, ça me remet de la vie ou. Ah non, d'accord. Parce que... Ah si, peut-être. Attends, on va voir. Non, ça me remettra pas de la vie, faut pareil. Wouh. Les mythos ils disent qu'elle est là, la caisse elle est là-bas. Eh mais elle est cheatée. Mais on est d'accord qu'elle est cheatée. Je suis à 80 000. Oh bah tant mieux hein. Il me fallait 100 000. Elle est cheatée la machine. Tu vois, j'ai gagné 10 000 à chaque fois. Enfin. À chaque partie, à chaque fois que j'en tue un, j'ai gagné 10 000.
Et en fait, il me les retirait pas quand je crevais. Il fait que maintenant, bah, j'ai 88 000. Voilà. On se met bien. Comme dirait l'autre. Allez, on va faire le dernier. J'ai quand même 40 minutes de vidéo, quoi. Et je suis tombé sur deux bateaux invincibles, quoi. On va faire le dernier, The Last of Us. Tac. Dernier d'entre nous. L'attaque et la prise d'un fort, on s'en bat les couilles. Ah, je me posais une question, peut-être que je vais faire une vidéo un peu bonus, mais vraiment vraiment ultra bonus cette fois-ci, parce que déjà celle-ci c'est une vidéo bonus sur l'attaque des bateaux légendaires, et il y aura des vidéos bonus sur les prises de château et sur les missions des Templiers. Et je pense que je vais faire vraiment une bonus en présentant chacun des codes de triche, enfin, en les montrant. Je pense que ça pourrait être une bonne idée et puis ça me tient à cœur, et puis voilà, j'aime bien faire des vidéos, quoi, et donc ça me ferait plaisir. Je fais ça par plaisir. Le plaisir de vous faire plaisir. C'est vraiment beau, hein. Y a pas à chier. Oh là, ça a l'air d'être un truc bizarre. Un espagnol déjà, ça je peux le dire. Niveau 75, ça je peux le dire. Qu'à 20 000 réales, ça je peux le dire. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas s'il aura un point faible ou si je vais pouvoir l'attaquer partout. Je ne sais pas. Oh, il a un big éperon de la mort, lui. Je pense que c'est ça son atout. Je pense que s'il me fonce sur la gueule, je vais prendre extrêmement cher. Donc je pense que lui, son taf, c'est de me foncer dessus. Et je pense qu'il va réussir son coup. Oh là. Donc lui, voilà, va falloir l'attaquer à distance. Hop. Oh la vache! Mais casse-toi, toi! Wesh! T'as brûlé tes potes ou quoi? J'ai miné le terrain comme un mongol. Oh les machins, ils pètent tout seuls. Oh la vache! Il attaque à distance aussi, ce bâtard! D'accord, c'est fail. Je vais prendre cher. Tu vas pas t'en tirer comme ça, mon pote. T'aurais jamais dû me montrer ton cul. Non, mais va pas si vite. Laisse-moi au moins le temps de te faire mal, quoi. Je crois que je me prends encore un coup de son éperon et je crois que je suis mort. Et ce bâtard là, il va plus vite que moi, quoi. Voilà, il fait demi-tour. Je suis dans sa ligne de mire. Il faut pas que je m'arrête. Ah! Mais t'es un fils de toi! Oh la vache, il m'a totalement atomisé, quoi. Total, quoi. Enfin, le mec, il arrivait avec son gros éperon. Je vais te l'enfoncer, mon enfoiré, et tu vas crever. C'était un truc bizarre que je viens de dire, mais bon. En tout cas, c'est un bien beau bâtard. Un bien beau bâtard. Pourtant, je suis full, quoi. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit,
même en étant full, tu vas galérer. Et en fait, je comprends quoi. Il a raison quoi. Même en étant full, je galère ma race. On va faire éperon contre éperon, mais y a pas le choix. Hein. On va faire qui est le plus gros d'éperon. Voilà. Si on fait du corps à corps, il ne fait pas grand chose. Merde. Là j'ai fait éperon contre éperon, ça va, il me fait moins mal. Mais il me fait plus mal là en me tapant comme ça avec ses boulets que... Moi je vais te taper, tu vois. Cachez-vous, ça va péter. Hop, on va faire encore un face contre face. Merde, là j'ai totalement failli. Bon, c'est pas grave. On va attendre d'en prendre une deuxième. Moi j'ai pas beaucoup touché. Hein. Oh, faut pas que je crève là. Pas maintenant. Je l'ai eu! Je l'ai eu ma gueule! Je t'ai eu ma gueule! Bon, là j'ai 108 000, mais je ne sais pas quoi ça va me servir à part. La charge permet d'accélérer temporairement le jackdaw afin d'augmenter la puissance de l'éperonnage. Pour charger, maintenez LT. LT, merde, c'est lequel déjà? Left, voilà. Left. En regardant vers la proue et appuyez deux fois sur A. D'accord, en fait lui c'est le seul qui est cool et qui me donne une charge quoi. Motherfuckers! Donc voilà, c'est tout les amis, on va se quitter sur ça, sur ces 4 bateaux. Ça fait 48 minutes, presque 50 donc. Et je pense que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long parce que je me suis quand même fail pas mal de fois. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien, et... Oui, bah voilà, à la prochaine, quoi. Bref, salut. Ravi de te voir, moi aussi.